Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, on vous revient, alors on va faire 3 vidéos à la suite, donc vous allez nous voir habillés toujours pareil. Hein. Là, ça va être un retour de course, donc NOS, et je vous parlerai de l'application encore Too Good To Go, puisqu'on a renouvelé l'expérience, on a pris 2 paniers à Auchan, panier repas, et du coup je vous inclurai vite fait les photos de ce qu'on a pu avoir dans les 2 paniers. Bref, on va commencer par donc par Auchan. Un mini haul NOS, hein. Alors, petite anecdote, mon mari qui me dit, puisqu'il est pas, il reste dans la voiture avec Emma, elle regarde son portable, ça le permet, c'est le moment calme de l'après-midi. Le lundi, elle reste dans la voiture avec papa et moi, vu que j'ai mis 1 heure pour faire le tour, pour faire les photos et tout ça, je suis toute seule, je suis tranquille. Ouais. Et donc du coup, il me dit, ouais, si tu viens à me trouver quelque chose, une boisson et tout, bon. Très bien, je dis, il n'y a pas de souci. Sauf qu'arrivé au rayon alimentaire, à part des bières, après s'il y avait un jus, je sais pas, enfin, il n'y avait pas grand chose en boisson et ce qu'il y avait, c'était pas terrible. Je vois ça. J'ai dit, ah ben écoute, c'est du jus de raisin. Bon, je sais qu'il n'est pas fan, mais bon, quand on en soif, hein, voilà. Donc, toute contente, j'achète ça. Sauf que je n'avais pas fait gaffe. Ce n'est pas une boisson. C'est du sirop de raisin. Donc, lui non plus, quand il a pris la bouteille, ouais, il a dévissé, il va pour boire. Il me dit, bon, mais qu'est-ce que c'est sucré et tout. Je dis, lui, il n'aime pas du tout sucré. Donc, je dis, oh, ça va être un peu sucré. Moi, j'aime bien et tout. Je bois ça. Malheur. Ben ouais. Il y a bien marqué sirop, quoi. Enfin, bon, bref, on s'en servira. Mais bon, sur le moment, vu qu'il avait envie de se désaltérer, c'était pas top. Bref. Donc, c'est de la marque Fruitoise. C'est même pas du raisin. Non, mais ça va pas bien, moi. Hein. Je croyais que c'était du raisin. Il y a marqué cassis en plus. Waouh! Non, mais hier, c'était pas... La fatigue était là, et donc, du coup... Bref, on peut faire apparemment 6 litres de boisson avec ça. Bon, un peu moins, puisqu'on en a bu une gorgée chacun. Et j'ai payé ceci, donc, 99 centimes. Par contre, le goût est très bon. C'est juste que c'était hyper méga sucré, quoi. Il y a 750 ml. Donc, si vous aimez le sirop de cassis, c'est tip top. Ouais, non. Ensuite, j'ai pris pour la pépette des glaces pour moi. Je les ai mis au congélo. C'est dans une boîte pas hermétique. Vous savez, le plastique dur et tout, qui se ferme quand même bien. Ouais, ben, elle est là. Vous voyez, comme ça là. Donc en plus, vous pouvez garder la boîte après. Et du coup, il y a 15 glaces. C'est une box, une mix box de 15 glaces. Donc vous en avez 4 comme ceci. 4 comme ceci, 4 comme ça et 3 comme ça. Donc j'ai dit, voilà, le printemps, été, ça commence, quoi. Donc du coup, j'ai dit très bien. Et à 2,99€, donc franchement, j'ai dit, voilà, ça coûte super cher en principe, des trucs comme ça, là. Vous allez même à Auchan, Intermarché, n'importe quoi. Des trucs mignons, et en plus 15 comme ça, alors elle sent pas immense, mais enfin, je trouve pas si petite que ça. Elle en a mangé une hier, elle s'est régalée, hein. Ouais. Voilà. Et ça va jusqu'à juillet 2019, donc franchement, vous avez largement le temps, et puis de toute façon, ce sont des glaces, honnêtement. Surtout qu'elles sont à l'eau, là, il me semble. Il me semble pas que c'est des glaces, enfin, celle qu'elle a mangée hier, c'était une glace à l'eau. Celle-là, marshmallow, parce qu'apparemment, ouais. Glace à la vanille et glace parfum guimauve. C'est celle-là. Ensuite, vous avez... Non, c'est celle-là. Ah non, attends. Arrête. C'est celle-là. Non, c'est celle-là, pardon. C'est celle-là, la guimauve et à la vanille. Ensuite, celle-ci. Emma.
Oui, c'est celle-là. Hier, elle a mangé celle-là, la fruitée, là. La fruitée, c'est la Astro. Astro, c'est glace à l'eau au goût d'ananas, orange et framboise. Ensuite, les rollers, celle-là, c'était glace à l'eau à la myrtille et glace à l'eau orange. Et les skeezers, celle-ci, c'est glace à l'eau à la framboise. Et c'est bleu. Cherchez l'erreur. Bref, donc tout ça pour dire que franchement, j'étais contente de lui trouver cette petite chose. Ouais. Ensuite, comme on est pas mal dans les papiers, mon mari l'autre jour qui me dit, t'as pas une agrafeuse? Je lui dis, écoute, étant jeune, oui, au lycée, je lui dis, là, franchement, je lui dis, j'en ai peut-être une chez mes parents, je lui dis, peut-être qu'ils utilisent, je ne sais pas. Je lui dis, là, moi, non. Et l'après-midi même, je trouve une petite agrafeuse, franchement. D'ailleurs, je l'avais pris en photo dans les arrivages Noz, donc vous avez dû la voir. Donc, elle était à 99 cent, 89 centimes, pardon. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a 10 dedans, je ne sais rien, je ne sais pas combien. Non, c'est le numéro 10. Enfin bon, bref, tout ça pour dire, c'est une agrafeuse. Très bien, il nous en fallait une, donc voilà, à ce prix-là. Et ensuite, je me suis fait deux, trois petits plaisirs parce que ben, il y avait eu des nouveautés, C'est toi. vous avez pu le voir, beauté. Du coup, je me suis pris le masque, mon homme qui m'a dit, tu vas arriver à en faire des masques, parce que tu en achètes, je te vois jamais en faire. J'ai dit oui, je dis, ben en ce moment, encore moins, j'ai dit, même les dimanches, que c'est le moment où on peut quand même relativement se poser, on a toujours quelque chose à faire. Donc, hein? Donc là, c'est un masque hydratant express à l'acide hyaluronique et plus micro-algues du désert. Apparemment, en 1 minute, une hydratation parfaite. Voilà, donc de la marque Diadermine. Donc très bien, 8 ml et ça m'a fait 79 centimes. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous nous entendez mieux parce que j'ai enlevé le micro parce que certaines personnes m'avaient dit qu'on nous entendait très loin. Donc du coup, j'ai testé sans micro pour voir si vous nous entendez mieux. Dans ces cas-là, je continuerai à faire sans micro puisque avant je filmais sans micro et vous ne m'aviez jamais réellement dit que vous entendiez mal. Là, j'ai eu quelques retours où on me disait on t'entend loin, ce que je peux, voilà, comment dire, j'accepte les critiques, ce qu'on peut me dire à améliorer, donc il n'y a pas de souci, ces personnes-là, c'est avec plaisir que je prends ce que je peux améliorer, quoi. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire. Ensuite, de la marque Diva, Manic Diva, London. Je me suis pris un petit. Alors, il y en avait de plusieurs teintes, mais j'ai pris que celui-ci parce que mon homme aime bien ces teintes-là que je porte. Donc, du coup, voilà, c'est cette teinte-là. Voilà. Est-ce qu'il y a un numéro? Bonne question. J'en ai pas un autre pour regarder. Donc, est-ce que c'est celui-là? Ouais, Pandora. On dirait que c'est Pandora, ouais. Et donc, je l'ai payé 99 centimes. On va vous faire un petit swatch pour une fois. J'entends le café. Et on va le faire sur Fifille. Alors, donne-moi ta main. C'est trop bien, maman. Allez, tu vas le montrer. Attends, pas trop près non plus, parce que sinon, mieux. Voilà, une très très jolie teinte, je trouve. Voir si ça monte. Il a une légère odeur de make-up, mais bon. Ça va. Celui-là, il passe encore. Elle est légère, donc ça passe. Donc, trop contente parce que c'est vraiment une très très jolie teinte. Et alors, ensuite, je me suis pris deux duos d'highlighter. Ils sont juste canons. C'est de la marque. Alors, essayer. attendez, est-ce que je l'ai derrière? Urili, je pense, parce qu'il y a la grosse étiquette de Noz juste dessus. Donc, si j'arrive à vous l'enlever, ça peut le faire.
Donc, ouais, let it glow, you really, apparemment. Voilà. Ça donne ceci. Et ils sont juste canonissimes, je trouve. Et donc, j'ai payé ça. En plus, ils étaient à 99 centimes. Donc, franchement, trop contente. Donc, voilà. Ah non, non, ça, on n'essaye pas. Voilà, ils sont juste canon. Donc, celui-ci, il n'y a pas de numéro pro passé, peut-être. Non. Là, c'est Bronze Glow. Celui-là. Et puis, vous avez le blush, le Blushing Glow. Ah, je viens de me fracasser la manucure. Génial. Pas terrible, celui-là. Il a voulu que je mette celui-là, mon homme. Il me dit, oh, il est joli ce bleu et tout. Je sais même plus lequel. J'ai tellement des vernis, je sais plus lequel c'était. Et donc, voilà. Celui-ci, il est juste canon aussi. Super, super beau. Attends. Putain, je m'en fous partout. Vas-y. C'est ici. Voilà. Et un autre. Ah mais non, ça suffit, ça suffit. Donc voilà pour le haul Nose. Ensuite, donc, comme je vous disais, je vais inclure donc les photos du colis. Donc, enfin du colis. Des deux paniers que nous avons pu prendre à Auchan, au rayon traiteur. On a eu droit à beaucoup de viande, du pain, de la salade, des desserts, de la viennoise, enfin des viennoiseries, enfin vraiment un truc délirant. J'essayerai de vous mettre à chaque fois le prix de l'article, grosso modo à peu près le prix, mais au bas mot, je pense qu'on a payé donc 8 euros puisque c'était deux paniers et que les paniers sont à 3,99 euros exactement, donc on a payé 7,98 euros. Mais que du coup, on a payé 8 euros. Oui, donc on en a eu pour 8 euros et au final, je pense qu'au bas mot, on a eu, je vous dis, je vous mettrai les prix et le total à la fin de la vidéo, mais je pense qu'on en a eu pour au moins une cinquantaine d'euros, donc je pense que ouais, ça vaut largement le coup ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment très très bien. Voilà, donc je vous ai montré, vous avez vu toutes les photos donc du panier, des paniers Too Good To Go. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Oui. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'est avec plaisir qu'on vous accueille dans notre famille YouTube qui s'agrandit tout doucement mais sûrement. Il vaut mieux progresser doucement mais que ne pas redégringoler. Dans la foulée, voilà, donc je suis super contente, merci du fond du cœur. Ah, t'es souhaité mon cœur. donc je vous remercie du fond du cœur pour vos abonnements, vos visionnages, vos commentaires, vos petits mots sous les photos d'Emma sur Facebook,
Enfin voilà, vraiment, on vous remercie du fond du cœur de nous soutenir. N'hésitez pas à envoyer une petite carte pour Emma si ça peut vous faire plaisir. Aussi, Elle, ça lui fera plaisir. Pour nous aussi, bien évidemment, ça sera avec plaisir. Sinon, mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Mais on vous dit à une prochaine vidéo et on vous fait plein de bisous. Bye bye! Bye bye!